prenant au peur, zeg eens A. Dites A. 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 Zeg eens I. Dites I. 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 Nee, zeg eens E. Dit E. 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 Zeg eens O. Dit O. 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 Zeg eens U. Dit U. 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 A, I. Zeg eens A, I. Dit A, I. A, I, E. A, I, E. Spreekoefening door de virtuoos Roland Topper. 33 crapauds gris dans 33 trous creux. 33 crapauds gris dans 33 trous creux. Des quatre crabes, des creux lènes, des trappes. 33 crapauds gris dans 33 creux lènes, des trappes. Des creux lènes, des quatre crabes. 33 crapauds gris dans 33 trous creux. 33 crapauds gris dans 33 trappes. Des quatre crabes, des creux lènes, des trappes. Des quatre crabes, des creux lènes, des trappes. Des quatre crabes, des creux lènes, des trois crapauds gris dans les trous creux. 33 crapauds gris dans 33 trous creux. 33 crapauds gris dans 33 trous creux. 33 crapauds gris dans 33 trous creux. Des quatre crabes, des creux lènes, des trappes. Des quatre crabes, des creux lènes, des crapauds gris dans les 33 trous creux. Des quatre crabes, des trous lènes dans des trous. Des quatre, des crabes, crapauds gris, trous creux, trappes, creux lènes, des trappes. Comptine pour Eric Dittmann. C'est le petit Léon qui a une bonne cirrhose, c'est le petit Gaston qui a pas eu sa dose d'un vœu de la vodka, l'autre du tapioca, qui le randonnera, ce ne sera pas moi. Ils en crèveront lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tant pis. Le petit orphelin est un... Un vrai quoi ? Un crétin. Un crétin. Oui, le petit orphelin est un vrai crétin. Il n'a pas de... Il n'a pas de bras ? Non. Il n'a pas de parents, pas de maison ? Pas de maison. Il n'a pas de maison, c'est un... Un con. C'est un riche con. Non, c'est un pauvre con. Con. C'est un pauvre con. Il est plein de pansements. Non. De puces. De puces. Non. Il n'a pas de jus. Il est plein comme une outre. Il est plein de bobos. Ouais. Il est plein de bobos. C'est un riche, non? Un pauvre idiot. Ah oui, c'est un triste idiot. Oui, hein. Pauvre, on l'a eu. Là. C'est un triste idiot. C'est un triste idiot. Tout le long de la semaine. Non. Tout le long de l'année. Tout le long de l'année, il va déguster, non? Tout le long de l'année, on lui fera sa fête. Non. Tout le long de l'année, il va en baver. Hein? Et le jour de l'an, il, ça sera pour ses pieds. Non. Et le jour de l'an, il, c'est un orphelin, sinon on pourrait dire il verra ses parents. Ah oui, ça va, c'est bien. Oh oui, il reverra ses parents. Il reverra ses parents, voilà. Oui, oui. Et le jour de l'an, il reverra ses parents. Le petit orphelin est un vrai crétin, il n'a pas de maison, c'est un pauvre con, il est plein de bobos, c'est un triste idiot, tout le long de l'année, il va en baver, le jour de l'an, il reverra ses parents. Inemine tin pon fruten tin pon kas inemine mute vis de bas. Roland Topper. Roland Topper est prisonnier des Francs de Libération. Wordt gevangen gehouden door de bevrijdingsbeweging.
il sera remis en liberté. Hij zal worden vrijgelaten. S'il a rempli les conditions suivantes. Tegen volgende voorwaarden. Premièrement. Ten eerste. La libération. De vrijlating. De tous les prisonniers politiques. Van alle politieke gevangenen. Partout. Over de hele wereld. Deuxièmement. Ten tweede. Deuxièmement. Ten tweede. Een som. Een som te bedragen van. De 100 miljoen de dollar. 100 miljoen dollar. En florin. In gulden. Et en petite coupure. En in kleine coupures. Faute de quoi? Zo niet. Le front de libération. Zal de bevrijdingsbeweging. Sera dans l'obligation. Zich verplicht zien. De mettre fin à l'existence. Een einde te stellen aan het bestaan van. De Roland Topor. Roland Topor. Le front de libération. De bevrijdingsbeweging. N'a rien contre lui. Heeft op zichzelf niets tegen dit individu. Si nous sommes dans l'obligation de l'exécuter. Indien de bevrijdingsbeweging zich verplicht zal zien hem af te maken. Ce sera par la faute. Dan zal het zijn omdat. De ceux qui n'auront pas rempli les exigences légitimes du front. Dan zal het zijn omdat men niet is ingegaan op de gewettigde eisen van de bevrijdingsbeweging. L'ultimatum. Het ultimatum. Prendra fin. Verstrijkt. Dans 10 minutes. Over 10 minuten. Sluis op zijn rug. Tape-moi dans le dos. Sluis op zijn rug. Tape-moi dans le dos. Op zijn rug. Tape-moi dans le dos. Je moet hem op zijn rug slaan. Chien, arme cat, pauvre chat, arme Nixon, pauvre con. Roland Topor, 2 en 2 is? 4. 3 en 1 is? 4. 1 en 3 is? 4. 6 min 2 is? 4. 8 min 4 is? Weer. 9 min 5 is? Weer. 10 min 6 is? Weer. 2 plus 2 is? Weer. 7 min 3 is? Weer. 1 plus 1 is? Weer. Hey, was ich gerade?
oui, ça va. Allez, 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 bien, bien. Oh, non, non, arrête. Ouh, aïe, aïe, oui, 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 allez. Oh, non, non. Oh, là. Ouh, là. Oui, oui. À Montmartre, avec les cubistes, mais avec les mondrillons, il y très drôle. Il y avait du en grépillation anglaise et Marcoussi, une petite guerre. C'est drôle, c'est la vie. Quand Pierre Reverdy, le poète, on avait été avec Apollinaire et André Salmon, chez la comtesse de Noailles. Dat beter? Dat is al beter. Wilt u nog koffie? Graag. Thans volgt een verklaring van Roland Topor omtrent het 10-jarig bestaan van de groep Paniek. Il faut se replacer dans le contexte de la création du groupe. Men moet zich inleven in de situatie die bestond op het ogenblik dat de groep werd opgericht. Nous détestions les groupes, les uns et les autres. Zowel de ene als de andere haten wij wat men verstaat onder groeperingen. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'en en créer. Daarom is het dat... Attends. Non mais j'ai pas fini. Dat wij besloten... Bon, il faut traduire. D'accord. Ja, ik moet vertalen.
akkoord. Il faut s'entendre quand même. Ja, natuurlijk. Sinon, on ne pourra pas finir. Alors, anders komt het nooit in orde. J'ai une déclaration très importante à faire. Ik heb een zeer belangrijke mededeling. Et c'est pas la peine de mettre 15 mots là où moi j'en mets 3. En het is niet nodig om 15 woorden te gebruiken waar ik er maar 3 nodig heb. Parce que ma déclaration, c'est la mienne. Et want c'est... mijn verklaring is de mijne. Et c'est moi qu'on va juger après. Ja, en ik ben degene die daarop geoordeeld zal worden. Parce que moi j'ai un nom, hein. Want ik heb een naam. Et puis je tiens pas à ce qu'on le fout en l'air avec des conneries. En trouwens zou ik niet willen dat men hem belachelijk maakt. Faut pas dire ça, faut pas dire ça justement. Nee, dat niet voor het publiek zeggen. Ah, non, chut. J'ai la déclaration suivante à faire. Volgende verklaring wens ik stellig af te leggen. Et ça n'est pas le bout du monde. C'est très simple. En dat is niet het einde van de wereld, het is heel eenvoudig. Et c'est très court. En kort. L'importance. Het belang. Prise. 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 J'ai dit prise, traduit. Prise. On va faire ça mot par mot, puisqu'on n'y arrive pas autrement. Hein? Het belang. Par. Par. Het belang van. Je tiens à vérifier que quand je dis un mot, tu en dis un et pas quatre. Ik houd eraan te controleren of u wel degelijk... Non, alors j'ai dit justement un mot là, tu en dis cinq, cinquante. J'ai dit par, een par. Enkel woord c'est pas sorcier. Heb ik gezegd en niet vijf. J'ai dit par. Door. Par. Par, door. Par. Par. Comment on dit par en hollandais? Door. Door. Je vais parler. Bon, d'accord. Parce qu'après tout, c'est pas, c'est plutôt simple. Si... Ten slotte is het eenvoudig. Je vais te demander... les mots, et puis je vais parler moi-même, parce que... Ik zal u vragen welke de woorden zijn, en ik zal zelf spreken. Bon, enfin, par. Dat is door. L'importance prise par. Het belang van. Les. De. Média. De média. Alors, j'ai dit média, j'ai pas dit les médias. Alors, ça devient, wij alors. Zeggen de média. Alors, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Daarom komen wij hier nooit doorheen. Oui. Alors, l'importance prise par les médias. Het belang van de média. Vraiment, il faut vraiment la faire, vouloir la faire, la déclaration. Je moet er wel echt aan houden om zo'n verklaring af te leggen. Et pour dire que je tiens pas à ce que le groupe panique soit récupéré. Om te zeggen dat ik niet wil dat de groep paniek zou worden gerecupereerd. Parler... Door de... Door de, oui. Door de... Door de... Door de... Commerce. Door de handel. Door de commercie. Oui. L'idéologie ja. Bourgeoise. Door de ideologie van de burgerij. Les musées. Door de musea. Les dictionnaires. De woordenboeken. Je travaille ik pour werk. Moi. Ik werk voor mijzelf. Pas pour les autres. En niet voor de anderen. Pas pour mon voisin, ma voisine. Niet voor mijn buurman, niet voor mijn buurvrouw. Je travaille pour mes 1m67. Ik werk voor mijn eigen 1m67. Bah, c'est simple, ça. Ça c'est... Dat is eenvoudig. Bon, c'est traduisible. Ja, dat is vertaald. C'était pas la peine de passer deux heures, non? C'était nee. Juste une petite phrase au début, comme een, ça. Eén zin en daarmee. Je suis irrécupérable. Mij krijgt men nooit. Mais si on veut me récupérer... Maar als ze mij willen... Mon compte en banque... Mijn bankrekening... Crédit Lyonnais... Crédit Lyonnais... 53... Lyonnais Crédit, 53... Oui. Agence AK... Agence AK... 53... 53... 190... 190. S. C'est très important la lettre. Dat is heel belangrijk. S. S. Voilà. S. C'est tout. S. Dat is alles, dank u. Comment peut-on être panique? C'est une question que les jeunes me posent souvent. Et moi, je leur réponds, oh là là. C'est beaucoup plus difficile que vous ne le croyez. C'est tout un travail. Être panique, moi, je le suis. Je l'ai été. Et je le serai toujours. Mais ça exige un entraînement de toutes les minutes, de chaque seconde. Et c'est extrêmement fatigant. Prenons une de mes journées, par exemple. Je me réveille tard. Je vois d'ici, j'entends les exclamations. Il peut rester au lit, il a de la chance. Non, au lit, je travaille. Pendant que je dors, toutes sortes d'idées merveilleuses s'assemblent dans ma tête. Et lorsque je me réveille, je ne m'en souviens plus, j'en suis débarrassé.
Parce que, c'est ce que je dis souvent aux jeunes, méfiez-vous des idées merveilleuses. Elles sont souvent moins bonnes que vous ne le croyez. Je me lève tout doucement, je vais faire ma toilette, je me brosse les dents, je me lave. Il faut se laver, c'est extrêmement important. Un artiste doit être propre. Je dis souvent aux jeunes que je vois passer avec des cheveux longs, soyez propre, lavez-vous d'abord. Ensuite, les idées, le génie sortira plus facilement quand les pores de la peau ne sont pas bouchés. Je me lave avec un soin rigoureux. Et il faut aussi se changer. Très souvent, les sous-vêtements se salissent. Je suis très propre. Et dès que je me suis habillé avec une certaine coquetterie, je vais prendre mon petit déjeuner. Je ne prends pas d'alcool au début de la journée, parce que ça brouille les idées, voyez-vous. Et il convient d'avoir les idées bien claires. Ensuite, quand j'ai pris mon petit déjeuner, pas trop lourd, quelques tranches de saucisson, un peu de chocolat, je n'ai plus droit au chocolat, mais j'en prends quand même un peu, les confitures, deux œufs, et puis encore je fais en omelette d'une façon d'ailleurs qui m'est tout à fait personnelle, en y mettant un peu d'herbe, des herbes, du jambon et un peu de lard. Quand j'ai fini mon omelette, je m'essuie la bouche et je regarde par la fenêtre. Donc, quand j'ai fait ce travail d'hygiène indispensable, eh bien, je réponds au téléphone parce qu'il sonne justement. Toujours à ce moment-là, c'est très curieux. C'est comme une espèce de petit miracle quotidien. Et j'ai fait ça, je jette dans la poubelle et dring le téléphone. Je vais décrocher, je dis allô, et j'entends. Et c'est toujours, c'est presque toujours un ami. J'ai beaucoup d'amis. J'ai conservé des relations intimes avec tout le monde. Partant du fait que les gens sont irremplaçables. Et, ils sont plutôt, disons qu'on peut les remplacer, mais ils sont uniques. Et chacun m'intéresse. Et souvent, ma femme, qui n'a pas mon caractère, me dit, qu'est-ce que tu lui trouves à celui-là? Et celle-là, elle est affreuse. Je dis, peut-être, mais quelque part, pour un artiste très loin, en regardant, je trouve quelque chose qui m'intéresse. Parfois, c'est un portefeuille. Parfois, c'est un beau derrière. Le vieil homme que je suis a acquis une certaine sagesse. Il faut être tolérant. L'artiste panique doit s'astreindre à la tolérance. Et ça n'est pas facile. Quand, par exemple, mes voisins du dessus font du bruit au moment où je suis en train de travailler, eh bien, parfois j'ai envie de prendre un couteau et de les hacher. Mais je me retiens parce que ça ne serait pas bon. Je préfère aller dans la salle de bain, j'ouvre la douche et je hurle pour me soulager. Et après, je me sens mieux. Et j'ai conquis cette tolérance qui n'est pas à la portée du premier venu. C'est incroyable les choses différentes qu'on peut dire au téléphone. Les uns m'appellent pour me dire « Bonjour, vous avez bien dormi ?» D'autres pour me donner un rendez-vous, ou bien pour me faire une proposition honnête. Sinon, je n'y réponds pas. Et alors là, quand je raccroche le récepteur, je m'octroie mon premier petit verre. C'est un petit verre d'une bouteille qui m'a été donnée par un ami hollandais qui s'appelle du Genièvre. Et alors, je bois un petit verre de Genièvre. Ah, tout de suite, on se sent ragaillardi. Et là, j'ai la force d'affronter le monde. Et je descends dans la rue. Dans la rue, le spectacle est hallucinant. Les devantures, les gens, les arbres, les bruits, tout cela m'excite. Tout cela crée des liens entre soi et je n'y peux pratiquement rien. Je suis un spectateur qui regarde à la fois la rue et ma tête. C'est
Ce qui m'intéresse le plus, inutile de le préciser, c'est ma tête. Je la regarde d'ailleurs chaque fois qu'il y a une vitrine ou un miroir, afin de suivre sur ma physionomie les reflets de la vie intérieure qui m'agite, insensible. Et comment rester debout quand on lit des horreurs, quand on lit tout ce qui se passe sur la terre avec les choses hautes, avec des gens qui se tuent, qui se portent. Moi, ça me. Je ne supporte pas, d'ailleurs. Je passe tout de suite aux bandes dessinées pour me calmer parce que. Qu'est-ce que. Avec la guerre et tout ça. Non, c'est pas possible, quand même. Et moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors je suis hermétique. Là, je dis non. Non, c'est pas pour moi ça. Non. Je passe à la bande dessinée, pas très important. Quoique, je ne crois pas qu'il existe d'art mineur. Il y a des arts faits pour les mineurs. Oui. On peut. Bon, mais non, sinon, pas possible. Pourquoi travaillez-vous? Pour communiquer. Comment communique-t-on? Est-ce qu'on communique avec des opinions? Non, on communique pas avec des opinions. On meurt avec elles et je les respecte. Ou bien on les entrechoque avec celles des autres. Mais avec quoi communique-t-on vraiment? Eh bien, je vais vous le dire, avec l'argent. Bien, il ne faudrait pas se méprendre sur le rôle que j'attribue à l'argent. Je ne suis pas un obsédé de la réussite. Quelle réussite d'ailleurs! La plus belle des réussites, c'est quand même d'avoir gardé l'estime de soi-même. Et en fait, je suis, pour être absolument franc, je suis resté, comme aux premières heures de ma vie, désarmé et seul devant la mort. La mort. Oui. Qu'est-ce que c'est, la mort? Je vais souvent me promener au cimetière. Et devant ces tombes, et sur la marchant peut-être sur la tête de gens qui ont vécu, je me prends à penser à la vanité de la vie. Que reste-t-il? Que reste-t-il de tant d'existence? Des appartements vides. Et encore, il naît chaque jour plus de gens, plus d'enfants qui remplissent des appartements laissés par les morts, si bien que la crise du logement durera toujours. Qu'est-ce qu'il y a de panique dans tout ça, me demanderez-vous? Ah, voilà. Vous vous attendiez à ce que je vous donne un mode d'emploi. Pas si bête. Je vous êtes. Non. Ce qu'il y a de panique, c'est moi. Comment dire? Ce ne sont pas les choses que je puis dire ou faire. Ça, c'est superbe ou pas beau. Mais non, la panique, c'est moi. Je veux dire, que pour me faire mieux comprendre, que. Il y a une petite boule dure, toute petite bille en moi et qui circule. Et alors, c'est ça. Oui, la petite bille. C'est ce qu'on m'a. Alors après, je vais me coucher. Et puis, voilà, c'était la journée terminée. Et il y en a encore beaucoup d'autres.